J'enchaîne avec Emmanuel, on est bien d'accord. Je vais pas te donner la parole, Emmanuel. Emmanuel, si tu peux tenir en moins de 10 minutes, ça permettra à Thomas de conclure la session et ou à Audrey d'intervenir. Je vous présente Emmanuel Lorgue, qui est depuis peu dans l'antichambre de l'organisation du vrai Ségur de la santé et même de l'organisation du collectif, en fait. On s'est rencontrés à force d'échanger. On a parlé du nombre de médecins, on a parlé du numerus clausus. Alors, le numerus clausus, il va vous en, enfin, je ne sais pas ce qu'il va dire, mais il va parler de la formation des médecins, a été supprimée. Mais si vous saviez la galère que c'est aujourd'hui pour faire des études de médecine, et notamment la galère qu'ont vécu les étudiants, qu'ont vécu pour la première fois l'année de PASLAS l'année dernière, c'est juste un enfer. Et on a la désagréable impression qu'une réforme incomplète, mal conçue, mal préparée, mal communiquée aux doyens, a laissé sur le carreau des étudiants. Et ça donne envie de vomir. Emmanuel, j'en dis pas plus. Je te laisse parler. Il est 20h48. Il faut qu'on essaye de laisser du temps pour Thomas et Audrey pour terminer la session. À toi. Mais en fait, tu as dit l'essentiel. non, voilà. Pour expliquer un petit peu, il y a eu une réforme l'année dernière qui a été lancée dans le cadre de la loi Santé 2022, qu'on appelle la réforme en études de santé, REES. Donc, qui a mis en place, qui a mis fin à la PACES. Voilà. Le système qui était en place avant et qui a mis. Donc, on est passé en PASS et en LAS. Donc maintenant, pour devenir médecin, il ne suffit plus de bûcher ses unités d'enseignement de santé. Il faut également suivre une licence universitaire, donc un double cursus. Bon, c'est pas à vous que j'expliquerai hein, ici que c'est déjà un cursus, c'est déjà long, difficile, fastidieux, il y a des dangers, il y a des sacrifices hein, pour pouvoir ambitionner de devenir médecin ou ambitionner de rentrer dans une filière de santé. Et bien maintenant, on leur a rajouté donc une licence. En plus à ajouter. Alors, ça peut être plein de choses, ça peut être de la chimie, ça peut être de la biologie, du droit, de la psychologie, de l'humanité et autre chose. Voilà. Alors, bien sûr, tout ça, on doit faire un double cursus, mais on n'a plus le droit de redoubler. Voilà. Donc, on va dans ce qu'on appelle une deuxième chance. Alors, on ne sait même pas encore si elle existe, hein, puisqu'elle est nouvelle cette année, donc une deuxième chance dans une option donc qu'on a choisie, qu'on a subie ou qui nous a été imposée par Parcoursup. On en parlait tout à l'heure de Parcoursup. Voilà où en sont les jeunes aujourd'hui. L'objectif de la réforme, c'était donc de diversifier les profils parce qu'on en avait un peu assez de voir des médecins qui arrivaient que que des matheux, que des physiciens, que des. Et donc, on a dit qu'on allait avoir des médecins avec des profils différents. Et aussi, on a voulu aussi parce que qu'il y ait des médecins avec plus d'empathie. Voilà, peut-être que les médecins d'aujourd'hui n'ont pas d'empathie. À vous de juger, vous qui êtes médecin. Moi, je ne le suis pas. Donc, mon médecin, moi, a de l'empathie. Mais en tout cas, on veut que les nouveaux médecins aient plus d'empathie. Alors, on les a classés grâce à des oraux qui ont été classés ou on les a déclassés aussi. Mais j'en parlerai un petit peu plus tard de ces oraux. Voilà, dans le discours de M. Macron, de M. Philippe, qui était à l'époque Premier ministre, dans le discours de Mme Vidal, dans le discours du doyen des doyens, eh bien, on parlait d'égalité des chances pour tous, on parlait d'équité préservée pour tous les jeunes. On disait aussi que cette nouvelle réforme, on en parlait encore tout à l'heure, et vous en avez parlé plusieurs fois, eh bien, que ça allait être cette grande opération de lancement pour la reconquête des déserts médicaux. Il y a un constat qui était sans appel, qui est sorti dans un rapport de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé, paru l'année dernière, il n'y a même pas un an. On disait que dans 10 ans, eh bien, le nombre de médecins et de professionnels de santé allait fortement baisser parce que ben, on était dans le papy-boom et on allait partir à la retraite. Donc le calcul était très simple, c'est limpide, hein. En 1930, les déserts médicaux seront importants. Donc il faut 10 ans pour former un médecin, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc cette réforme, elle tombe à pic. Voilà. Dans ce même rapport de l'ONPS, on dit aussi que dans la transition PACES-PACELAS, eh bien c'est écrit noir sur blanc, on doit avoir une augmentation exceptionnelle de nombre de places pour la deuxième année.
Alors pour ça, c'est simple, hein, il suffit d'appliquer la loi comme elle a été écrite, comme elle est parue dans le journal officiel du 24 juillet 2019. Je vous l'ai dit que rapidement, les derniers PACES donc, auront leur place réservée dans le dernier numerus clausus, et de leur côté, les PACELAS auront leur place dans le nouveau numerus apertus. Alors c'est très simple, hein, puisque ça a été mis en place dans des facultés pilotes à Paris, où on a augmenté le nombre de places de, en moyenne, à Paris, à Angers et à Brest, hein, en moyenne 30% d'augmentation des places. À Paris, c'est même monté à 47% à Paris-Sorbonne. Alors tout ça, eh bien, dans le meilleur des mondes, tout ça, ça doit se passer sans problème, mais sauf qu'on n'est pas dans le meilleur des mondes, parce que normalement, le gouvernement aurait dû faire appliquer son propre texte de loi, mais il ne l'a pas fait. Donc, on devait avoir 4 500 places supplémentaires qui devaient être ajoutées, si on fait les calculs, dans l'ensemble de la France, de la métropole et également hors métropole. À cela aussi, on pouvait ajouter les 1 500 places supplémentaires qui étaient qui s'ajoutaient dans un plan quinquennal qui était prévu dans la loi, justement, loi santé 2022, justement un plan quinquennal qui commençait de 2021 à 2025 pour la reconquête des déserts médicaux. Donc, on devait avoir 6 000 places supplémentaires si on fait le calcul. Voilà. Bah, évidemment, ça ne s'était pas passé comme ça. 2 500 places ont été ajoutées l'année dernière. Et dans ces 2 500 places, 1 000 l'ont été parce que le collectif auquel j'appartiens et auquel des centaines de parents qui se sont réunis l'année dernière parce qu'ils voyaient leurs enfants en détresse, en stress, en détresse, en souffrance face à cette réforme mal préparée, comme tu le disais tout à l'heure, eh bien, parmi ces 2 500 places, il y a 1 000 places qui ont été ajoutées parce que l'État et parce que 14 facultés ont été condamnées parce qu'ils ne respectaient pas la loi. Condamnées parce que les collectifs locaux ont attaqué l'État et les facultés. Donc voilà ce qui s'est passé l'année dernière et voilà ce qui fait que la génération qui a essuyé les plâtres l'année dernière, eh bien nous on l'appelle la génération sacrifiée. Voilà. Alors pourquoi elle était sacrifiée? Oui. Non, je te disais, on va essayer de conclure et de toute façon, comme tu le sais bien, il y a d'autres sessions de formation. Je voudrais qu'on puisse laisser quelques minutes à Thomas et Audrey, je ne sais pas si elle est là, pour conclure. Je ne sais pas si les gens se rendent, enfin, les gens qui sont là ce soir, je ne sais pas, on n'a pas fait de sondage, hein, je ne sais pas s'il y a des usagers ou si c'est surtout des soignants. Je ne sais pas s'ils se rendent compte de la situation ubuesque dans laquelle on se trouve quand même. Hein. On a eu des topos toute la soirée qui nous expliquent qu'en fait, il manque de médecins partout, en ville, dans les SMUR, dans les urgences, partout, partout, partout. Et au moment où il faut simplifier l'accès à ces métiers-là, alors que ça a souvent été difficile d'y accéder, en tout cas à mon époque et celle de Thomas, c'était compliqué, on crée un bordel innommable. Et alors bon, je reste un démocrate, Emmanuel, je reste un démocrate, je vais aller voter, je ne dis pas qu'il faut tout foutre par terre, mais il y a quand même des moments, il y a quand même des moments où on peut se demander si l'expertise, elle est au bon endroit, quoi. Et assurément, je pense, Emmanuel, quand je t'écoute, que ça légitimise ton combat, le combat des collectifs le combat que vous portez, qu'il ne faut surtout pas arrêter, dans l'intérêt des mômes. Et en tout cas, je t'assure que dans le cadre du vrai Ségur de la santé, vous serez des acteurs majeurs de l'item formation. Et en tout cas, le collectif Santé en danger vous soutiendra le mieux possible dans tous vos combats. Emmanuel, tu m'autorises à... Je conclue juste rapidement, hein, mais on parlait justement d'être démocrate. On l'est démocrate, hein, mais c'est vrai que c'est compliqué de l'être quand on voit une ministre mentir ouvertement devant l'Assemblée nationale sur les chiffres. C'est compliqué de continuer à être démocrate quand on entend le président à la grand-messe du 20h dire que le numerus clausus est annulé alors qu'il n'est juste changé de nom. Maintenant, ça s'appelle numerus apertus. Et on parlait des ARS. Eh bien, c'est les ARS qui décident maintenant du nombre de médecins qui vont être formés dans chaque région
Donc, vu l'avis que vous avez sur les ARS, je pense que vous avez confiance dans leur combat. Voilà, dans leur. Moi, je voulais juste dire que les gamins, ils veulent juste. Et je termine là-dessus. Parce que ça va durer 22 heures. Ouais. Non, mais les gamins, ils veulent un jour prêter le serment d'Hippocrate. D'accord, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent arriver à faire ça. Et bien, en fait, depuis un an et demi, les gouvernants et ceux qui doivent normalement les accueillir dans ce métier ou les guider dans ce métier, ils leur servent le serment d'Hippocrate. C'est tout ce qu'ils y vivent actuellement. Et ça, c'est terrible. Et l'année dernière, il faut le savoir quand même que plus de 60% des jeunes qui étaient en première année ont soit abandonné leur vocation, soit sont partis à l'étranger, en Croatie, en Roumanie, en Espagne. En Belgique, plus 150% d'étudiants français se sont inscrits l'année dernière en Belgique, enfin à la rentrée 2021. Donc voilà, voilà la situation. Il faut que je passe la parole à Thomas, Arnaud. Parce que tout va s'arrêter. Emmanuel, de toute façon, on va en reparler, ne t'inquiète pas. Le message fort est passé pour ce soir. On a bien mis les pieds dans le plat et on continuera.